Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une review pop télévision avec les trois figurines The X-Files. Donc on a le personnage de Fox Mulder en 183, Dana Scully en 184 et Alien en 186. Il me manque l'homme à la cigarette qui était en numéro 185 mais elle n'était pas disponible en magasin. Alors je vais vous montrer maintenant les boîtes de plus près. Donc Fox Mulder, vous pouvez voir les logos comme d'habitude. Ici un dessin qu'il représente. Dana Scully c'est pareil. Et pour l'alien aussi, donc super sympa. Je vais vous montrer maintenant l'arrière des boîtes. Donc elles sont pareilles, sauf qu'on a un dessin des personnages sur le côté. Et je vous montre l'homme à la cigarette, à quoi il ressemble. Il est vraiment très sympa. Je vous montre le côté. Et je vous montre l'autre côté. Le dessus des boîtes. Donc voilà pour les boîtes, je vais à présent les ouvrir. Alors on va commencer par Fox Mulder. Il a les cheveux marrons, les sourcils marrons, articulés de la tête, comme toutes les figurines pop, enfin la plupart. Il a son costume bleu. À la main droite, il tient un pistolet noir. Il a aussi une cravate, hein, rayée bleue. Il a sa carte du FBI avec son portrait dessus. Mais c'est tellement petit qu'on voit pas très bien en fait. Et bien entendu des chaussures noires. J'ai passé à Dana Scully. Donc elle a les cheveux roux, une coupe au carré. Un costume bleu aussi. En fait ça fait un petit impair qu'elle a. Elle a une lampe torche. Sa carte du FBI aussi avec son portrait. Et des petites chaussures noires. Je termine par l'alien. Alors il est tout gris. Et en fait comme il est très fin au niveau des jambes, il y a un socle de fourni en fait. Ce qui est vraiment sympa. Voilà. Mais sinon je trouve qu'il est super bien réussi. J'aime beaucoup son design. Il est tout tout fin et tout mignon. Il a des mains avec 4 doigts, ce qui est assez rigolo aussi. Je crois que c'est comme dans la série. Alors par contre la tête je crois qu'elle peut pas tourner, j'essaye mais j'ai pas envie de casser, mais on peut pas tourner en fait la tête de l'alien. Bah sinon son visage est vraiment très bien fait, j'aime beaucoup. Donc voilà pour la série X-Files, il me manque l'homme à la cigarette, j'espère que je l'aurai pour vous le présenter. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt sur ma chaîne, salut.